Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours sur Prompt Hunt. Continue à expérimenter ce site qui est vraiment cool. Franchement, pour le coup, c'est vraiment cool. Et on va regarder les prompts par emoji. Dès que ce site dont j'avais fait dans la vidéo, c'est ici, exclude. Voilà. En fait, ce site vous permet de prompter directement par emoji. Vous n'avez pas besoin de taper du texte. Et c'est pour vous montrer, je teste pour vous montrer comment ça marche en fait. Donc, on est dans une dimension de base 502 x 512. PH Chroma, c'est le moteur, c'est le modèle de base. Et si vous cliquez ici, vous avez les emojis qui vont apparaître. Donc, pour vous donner une idée comment ça marche, je vais juste cliquer sur le premier, un visage qui rit. Voilà. Après, mon navigateur ne rend pas directement les emojis, mais on va juste s'en souvenir en fait. Quand je clique sur Create, en fait, Prompt Hunt va tenter d'appliquer des styles automatiques par rapport à cet emoji. Grosso modo, c'est une amélioration extrêmement rapide de l'image. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Et comme c'est écrit ici, hein, c'est ChatGPT qui s'en occupe. C'est-à-dire que c'est comme si vous demandez à ChatGPT, crée-moi une description à partir de cet emoji. Mais pour vous montrer comment l'avant et après, on le verra plus tard. On va skipper et on va laisser créer le truc. Donc, c'est un visage humain. J'ai quand même mis des prompts négatifs ici. Et c'est vraiment aléatoire. Voilà. Mais quand même activer le restore face et voici ce genre, mais c'est vraiment aléatoire, c'est-à-dire que c'est pas forcément des humains. Quand j'avais appliqué le smart style, ça avait montré un visage de chat, donc c'est un visage humain. Et si on va faire plusieurs tests, si je prends celui-là, on va skipper pour le moment, hein. On verra plus tard. Parce que les smart styles, c'est très bien, mais vous n'avez pas de contrôle parce que ça va rajouter vraiment une pléthore de styles à votre image. Voilà. Et ça n'a rien à voir, alors que techniquement, on devrait voir un visage humain. Hop, on teste de nouveau. Cette fois, vous avez d'autres catégories. On va prendre un animal et on va prendre un chien. Voilà. Dans les animaux, en fait, il va juste essayer de faire un chien ou un truc similaire. Et est-ce que c'est vraiment utile au-delà de l'amusant, si vous voulez? Et bon, la qualité est vraiment pas mal. C'est peut-être pas mal, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas de... Vous trouvez pas de mots pour décrire votre image, et bien vous pouvez directement prendre des emojis. Vous avez aussi... La bouffe, il n'est pas très très bon. On va prendre un hamburger. Dans les emojis de bouffe, parfois il me montre des paysages. Donc j'espère que vous utilisez ce site, hein, est vraiment bien. Voilà. Là il montre le hamburger. Clairement il montre le hamburger. Donc il pouvait vraiment faire ce. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. On a aussi des espèces de bâtiments. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la statue de la liberté. C'est une usine. Ouais, ça semble être une usine. Non. Oh, sans aucun paramètre, le modèle de ce site est vraiment bien fait, hein. Ok. Et voilà une usine, tout à fait simple. Mais évidemment, on pouvait combiner les emojis. Donc, pour s'amuser, on va prendre le smiley. On va prendre une île. Où il est? On va prendre une île. Et on va prendre un animal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un panda. Et c'est bien les pandas. Et voilà. Pouvez aussi combiner les emojis. Après, j'ai essayé de combiner du texte et des emojis, ça marche pas. Oui, grosso modo,
Comme le panda est prédominant, en fait, il l'a mis sur une île. Mais c'est respecté. C'est clairement respecté, en fait. Et si, voilà, là, on va appliquer les smart styles, vous verrez la différence. Voilà, tous les styles, en fait, il les a appliqués. Voilà, là, il n'y a plus de panda. Il n'y a plus de panda, en fait. Qu'est-ce qui... Si on supprime ça... Désolé pour le bruit en arrière-fond. Hein. Hop. Le Smart Seal vous donne vraiment d'excellents résultats. Là, le panda est arrivé. Et donc, c'est... On va juste tester. Tac. C'est juste une vidéo pour vous présenter ça. On va prendre... Par exemple, si vous mettez quelqu'un qui vomit, non, pas de Smart Steel. Parfois, j'ai eu un mec qui ressemble à Hulk. Voilà. Ouf. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, vraiment, on peut vraiment s'amuser comme des fous. Mais qu'est-ce qu'on a? Il y a les images de cœur, mais ça risque de montrer des images de nude, en fait. Hop. Le thumb up, qu'est-ce que ça donne? Et voici son interprétation du thumb up. Après, les mains sont catastrophiques. Les visages, c'est assez impressionnant. Et vous pouvez vraiment créer des scènes assez complexes. Tac. On va prendre la planète Terre. On va prendre une dynamite. Et on va prendre voilà, là on y voit quoi, c'est ça. Là c'est très chargé, vous avez des animaux, vous avez des fruits, vous avez de tout en fait. Il y a à boire et à manger. Ouf. Ah ouais. Moi, ça peut. Et cette fois, on va appliquer les styles. Ça vous donne simplement la différence des paramètres et leur impact. Donc, il a fait plein plein de choses. Vous avez du cartonnage, vous avez du chaotique. Voilà. Et donc, c'est une manière de. Après que vous n'avez quasiment pas de contrôle en fait sur ce que vous voulez décrire. Si je tape. Et ensuite, j'ajoute des emojis. Voilà. Malheureusement, l'interface ne permet pas de réinitialiser les styles. Il faut les supprimer un par un. C'est un peu dommage. On va faire avant son et avec les styles. Là, en fait, c'est l'arbre qui va, je pense, être prédominant. Voilà. Il prend surtout le texte, en fait. Et si je crée les smart styles, qu'est-ce que tu proposes? Et voici son interprétation. Là, il a quand même essayé de mettre quelques trucs, mais l'arbre est vraiment prédominant. Parce que, en fait, ici, c'est vraiment les styles qui jouent, en fait. C'est les styles qui jouent. Toc. Donc, c'était juste ça que je voulais montrer. J'espère que vous vous amusez avec les IA d'image, parce que ce n'est que le commencement. Et dernier. Hop. Tac, tac, tac.
Qu'est-ce que je pourrais mettre? Hop, on va mettre une femme et je vais prendre mon template de... Comment ça y est, voilà. Mid-journée. C'est juste un style mid-journée, hein. C'est pas mid-journée. Juste mid-journée. Voilà. Toc. Et aussi son interprétation. Et si on met plusieurs femmes, quoi? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'on avait mis? Je me rappelle plus, putain. On va prendre celle-là. Prendre celle-là. Voilà. On va prendre trois. On va prendre trois. Mid-journée. Hop. Voici son interprétation. Donc, il a mis deux femmes. C'est un bizarre ce cadre qu'il a fait. Et encore une fois, les visages sont vraiment bien. Les visages sont bien, vraiment bien. Donc on se laisse sur ça. Hein. Vraiment expérimenter avec les prompt emoji. L'aspect pratique, je le vois pas forcément parce que moi j'ai toujours une idée très précise de ce que je veux créer avec mes images. Mais parfois ça peut être intéressant. C'est-à-dire que vous dites quel bâtiment, etc. Vous avez directement un emoji pour ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis peut-être à bientôt.